dernier défenseur, vous essayez de vraiment faire chier. Toi, si tu peux le contrer avec tes pieds, tu peux. Ouais, donc c'est important pour moi de transmettre un maximum de choses qu'on a pu m'apprendre quand j'étais jeune. Tous les éducateurs que j'ai eus m'ont laissé une petite trace. Donc quand je peux aider des jeunes à progresser ou à leur transmettre un petit peu de mon expérience, c'est toujours plaisant. Moi j'ai été éduqué par mes parents qui ont essayé de me donner des bonnes valeurs. Mon père qui m'a beaucoup transmis de bonnes choses, donc du coup j'essaye de le transmettre à ma manière dès que j'en ai l'occasion. On va essayer de travailler les jeux au pied rasant pour soit marquer, soit isoler la défense. Donc je vais vous montrer l'exercice pour commencer, et après au fur et à mesure je vais vous expliquer pourquoi on utilise cette arme là. La chance de pouvoir entraîner là des jeunes, c'est parfait pour moi pour m'entraîner à ma future reconversion ou du moins à prendre du plaisir à transmettre ce que j'ai appris. Félicité au Racing, on ne forme pas que des joueurs, on forme des hommes. Non, on a été très très bien entouré que ce soit au centre de formation du Racing, en espoir ou même dans les catégories plus jeunes. On est très très bien entouré, on essaye d'avoir un suivi le plus professionnel possible, donc ça m'a beaucoup servi pour arriver où j'en suis, et parce qu'on avait un suivi le plus professionnel possible des cadets, des crabos et notamment en espoir, donc c'est pour ça que j'essaye de reproduire des exercices qu'on a pu me montrer quand j'étais plus jeune.